Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes lundi 3 juin 2024. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints la semaine passée. Merci pour tous ceux qui continuent à m'appeler. Je suis vraiment dans la joie que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Mais une chose, je veux vraiment m'en excuser sur la fréquence de mes émissions qui devient de plus en plus, beaucoup plus éloignée. Vous vous attendiez à ce que tous les deux jours, je puisse produire des émissions parce que l'actualité, en principe, ne fait que voler. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous dormez, demain c'est telle chose, telle chose. Je veux vous rappeler une chose, que nos émissions, surtout Réflexion, nous réfléchissons sur les solutions. Et les solutions, nous ne devons pas vous bombarder avec beaucoup d'informations, sinon vous allez commencer à oublier ce que nous sommes en train de dire. C'est comme ça que nous sommes résolus que nous allons produire ne fût-ce que deux émissions par semaine ou une seule émission réflexion par semaine. Pourquoi? Parce que la solution que nous pensons, que nous sommes en train de développer, elle est salutaire pour la République démocratique du Congo. Et en parler chaque jour, ce n'est pas mauvais, mais j'ai constaté que beaucoup d'entre vous continuent à me poser les mêmes questions dont j'avais déjà développé dans d'autres émissions. Les mêmes questions, j'en discute tous les jours et je les renvoie souvent à d'autres émissions qui ont été passées. C'est pour cela que je me suis dit, il faudrait quand même que je puisse vous donner le temps d'aller regarder les solutions dont nous proposons parce qu'elles sont déjà là. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Nous allons réfléchir encore une fois de plus sur le Premier ministre, la dame, Madame Judith Kouloute. Excusez-moi, elle a un nom un peu que je n'arrive pas vraiment à maîtriser très bien. Judith, je vais l'appeler comme ça. Nous allons réfléchir sur la formation de ce gouvernement-là et vous donner mon point de vue parce que vous ne cessez de me poser comme question. L'actualité est prédominée par la sortie de ce gouvernement-là. Il y a des contestations, il y a quoi que ce soit. Et vous commencez à me poser la question, qu'est-ce que j'en pense? Aujourd'hui, je vais vous donner un point de vue. Je vais vous donner ce que je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a cacophonie comme ça à Kinshasa? Nous allons réfléchir sur ce nouveau gouvernement-là. Et puis, voir comment est-ce que nous pouvons résoudre ce genre de problèmes. Quelles sont les solutions que nous proposons? Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de ce sujet-là. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, IDPS, Union Sacrée, les postes d'abord, le peuple verra. Et puis flash, un civil assassiné en plein jour au nord de Goma. Et dessous de tête à tête entre Paul Kagame et Yoon Suk Yeol, président de la Corée du Sud. On va sur actualité.cd. Sur actualité.cd, ici nous allons voir au Sud Kivu, plus de 165 000 finalistes participent à l'ENAFEP. Candidature représentative remise en question dans le gouvernement soumis noir. Matata sur une éventuelle révision de la Constitution ne cherche pas de bouc émissaire pour tenter de bloquer le pays dans le désordre politique dont nul n'est en mesure de prédire l'issue. On va sur Congo profond. Tariq va augmenter sa production tout en restant sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 2024. ENAFEP 2024, hausse des effectifs des participants en Nord Kivu 2 grâce à la gratuité de l'enseignement primaire. Contrat avec le centre hospitalier de Kibali, Kibali Gold Mine confirme son partenariat et dissipe les malentendus.
7 sur 7, Félix Tshisekedi invité à la conférence internationale sur la forestation et les reboisements à Brazzaville. Et puis Jules Alinguette annonce la fin d'une mission de l'encadrement de l'IGF dans les entreprises et établissements publics. Enfin, frustration au sein de l'UCN, l'Union sacrée de la nation, après la sortie du gouvernement Chimouna. Voici ce qui s'est passé autour de Kabuya lors de la réunion de crise. Et on termine par Radio Okapi. Ici à Radio Okapi, combat phare de CM23 à Kanyabaonga. Le centre de passation de l'ENAPFEP est délocalisé à Kaina. Kindu, plus de 34 000 candidats attendus pour l'ENAFEP. Masisi, retour de plus de 7 000 déplacés à Bweremana, Société Civile Parle. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, quand vous allez sur le net, vous voyez beaucoup de choses, surtout sur YouTube, les gens qui produisent les émissions. Vous rentrez sur WhatsApp, vous rentrez sur X, où il y a les gens qui sont en train d'organiser des émissions sur le même sujet que nous allons développer aujourd'hui, celui de la première ministre. Est-ce que ce gouvernement a produit vraiment beaucoup de mécontents? Ce mécontentement vient d'où? Qui est l'auteur de ce mécontentement-là? Est-ce que c'est la première ministre? Parce que c'est comme si Assimbi touche. La même chose avec le ministre de la Justice, parce que beaucoup de le ministre de la Justice avait, c'est-à-dire le jeune homme là, Constant Mutamba, qui on lui balance ce qu'elle a dit à propos de Félix Tshisekedi. Déjà, sur le plan de la forme de ce sujet, la forme du sujet dont nous allons aborder, ma réflexion, je suis un peu déçu du peuple congolais. Moi, vraiment, je suis déçu à voir comment est-ce que les gens sont en train de critiquer ce nouveau gouvernement. Et je pense que ça ne devrait pas être de cette façon-là. Toza à côté, tozo beta libanda, biso peuple congolais, tozo beta libanda. Nous sommes à côté, nous sommes en train de cautionner quelque chose qui ne va pas. Nous ne réfléchissons pas de la manière dont nous devrions réfléchir. On parle des hommes, on passe le temps à discuter sur les hommes. On discute, on se dit, Salinini, qu'est-ce qu'ils vont faire? Celui-ci mérite? Est-ce que celui-là ne mérite pas? Qu'est-ce que ça... Nous sommes donc tokeib koto tout au disque. Nous avions scrutinisé, comme on dit, les hommes qui font partie de ce cabinet-là, de Mme Koutoukoulou. Ça, c'est ma déception. Oh, tu as Kala, oh, tout ceci, ces gens ici ne méritaient pas d'être là, Batouboye, tout. Ah, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, est-ce que toi, Bibiso, mon coup, problème, Nabiso? Est-ce que nous, les Congolais, nous connaissons le problème? Connaissons-nous le problème qui nous a... Oeza kwa kile biso. Biso ba Congolais, est-ce que toyebi problème na biso? Pour que nous puissions commencer à aller dans ces hommes-là. Je vois un monsieur azo vanté ba mérite à ministre ce qui est à jeunesse, ce qui a appuyé à l'hydrocarbure. Moutoumoko a commenté que ce monsieur-là, c'est un docteur, c'est celui-ci, il va être, on lui a donné ministère, ce qui est, il y a électricité, SNEL, la régie des eaux combinées, ce monsieur-là, c'est un génie, tout ça. Moi, je suis ahuri. Nazoyoka, netina lela. Qu'est-ce qui se passe? Ni si ba Congolais, tu n'as fiki à wapi. Qu'est-ce qui se passe finalement? Donc, nous avions entendu ce gouvernement ici pendant 6 mois et voilà ce qu'on nous donne. Voilà les hommes qui font partie de ce gouvernement-là. 54 ministres au lieu de 57. Tout le monde va dans tous les sens. Et c'est cela que moi j'appelle les cosmétiques. Et au biso ba Congolais, tout le monde a kaka forme à Libanda.
Mais Batouana Baeko Salanine, qu'est-ce qu'elle est? Où est leur mission? Est-ce que maman Wanaza capable à résoudre ma problème au Tozanango? Faudrait-il d'abord que nous puissions connaître nous-mêmes? Bisoba Congolais, toi, que Tozana guerre à Est. L'insécurité gangrène. Nous devrions parler de comment résoudre le problème de l'insécurité. Quel est le système que nous allons mettre en place pour que les militaires basala bien payés, les gens qui doivent faire ça, comment est-ce que quel est le travail qui doit être fait? Et à qui donner ce ministère-là maintenant, c'est par là? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre de l'Est et tout le monde voit Fatih. Tout le monde va Fatih. Bazo monaka Fatih balobi Fatih akosilisa bitumba wana. Fatih nde mokonzi. Fatih nde muto akosilisa bitumba est. Il n'y a que lui qui va donner de l'eau à tout le monde. Il n'y a que lui qui fera ceci. On ne voit pas le gouvernement. Toza komona premier ministre était. Pourtant c'est le travail du premier ministre. Quel est le plan que le premier ministre nous amène? L'Union sacrée s'est réunie le week-end parce qu'il n'était pas content. On est dans les discussions de partage du gâteau. Bande konangeza Sony. On est dans les discussions du partage des gâteaux. Nous, on n'est pas été là-bas. Oh non, le Maniema n'est pas représenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Maniema est représenté? Votre représentation va amener quoi? Tout le monde veut faire partir de ce gouvernement-là dans la mangeoire. On va se partager ce Congo-là. C'est comme ça que Mounande, il faut Banande Bazala. Il faut Équatorien Bazala. Il faut Lumba Bazala dans le gouvernement. Finalement, maman, on a craqué. Elle ne sait pas. Est-ce que c'est elle? D'abord, revenons maintenant à cette première question. Qui forme le gouvernement? Est-ce que lorsque le gouvernement a tomoni ango, est-ce que nous sentons la main de cette maman-là? Ou bien elle aussi a été recrutée comme tout le monde? Naninde mutaza ko former gouvernement? Nous voyons les gens de l'Union sacrée, au lieu d'aller chez le président, ou au lieu d'aller le formateur de ce gouvernement-là, la maman. On devrait aller les voir en disant, maman, au sali cabinet, non, ma bé, biso à toza représenté. Mais tous les Congolais s'adressent à qui? S'adressent à Félix Tshisekedi. Voilà l'aberration. Tout le monde s'adresse à Félix Tshisekedi. L'Union sacrée, au lieu d'appeler le formateur du gouvernement, binoana boke liboso à Kabouya. Kabouya nda kosala nini. Voilà là où se trouve l'aberration. Kabouya ndé mutaza ko former gouvernement na boke ko se plaindre pas Kabouya siko Kabouya asalanine yende mutaza na bâton magique a kotia bino na gouvernement. Alors là nous avons perdu tout parce qu'à ce moment-là nous ne comprenons pas, les politiciens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Bazo ye baté et c'est très malheureux et ça eloko moko vraiment boye naza ko mona na obi, mais c'est pas possible. Nous avons perdu la tête ou quoi? Où sommes-nous? Tokomi wapi bande konangai? Et quelqu'un qui va se lever aujourd'hui à l'équipe média lobi, te gouvernement on a te, oh boy te, token de pas fati, fatia lobi, bon, union sacrée ne te former gouvernement on a. Alors qui, la question maintenant, forme ce gouvernement là? Suivant quel principe? Qu'est-ce qu'on respecte? Quelles sont les procédures que nous respectons pour former le gouvernement? Y a-t-il eu des propositions déjà? Ou bien Zaka Kamutumoko a habité place Azali? C'est comme si c'est le président de la République. Ou bien peut-être Zaka Kafati yende mutwa vandiwana yende mutwa zako loba bon. Totia wa ministre à justice. Ah de totia ministre boy. Ah de tout. Sans suivre aucun cursus de ces gens-là. Peut-être on peut dire que bon, Zaka même juriste. Totia est ministre à défense. Y a justice comme pour constant. Oh, quelle est la procédure pour que le ministre Bazal? Qui doit former ce gouvernement-là? Et là, moi, je vous dis clairement, moi, je ne sens pas la main de cette maman-là. Et ça, c'est une maman qui a joué dans cette équipe, coach, moi, qui a joué dans la capitaine.
ata capitaine Angoza à se sentaka sur le terrain. On sent que le capitaine est là. Le capitaine quand même a un mot à dire dans des organisations. Il y a bien des wana. Donc la maman a été recrutée. C'est en principe, c'est à lui. C'est à elle plutôt qu'elle devrait prendre les gens. Lobby, bon, ok. C'est sur quel principe on se base? Maman, on a fallu passer par lobby. Bon, maintenant, voilà. Le principe en haut. Vous faites maintenant le choix de votre cabinet et venez le présenter maintenant au président de la République. Parce que, regardez, nous avions eu la désignation d'un informateur pour la majorité présidentielle, dont la majorité était connue déjà après les élections. On n'avait même pas à chercher encore une majorité. Le président de la République a nommé un informateur pour identifier la majorité. Or, nous connaissions déjà la majorité qui était l'Union Sacrée. Bah, identifié quand même, bah, nommé Kabuya. Kabuya a sali après deux semaines, deux mois, je crois un mois et demi. On devrait nommer un formateur du gouvernement parce qu'on avait déjà, c'était déjà identifié, il a identifié, mais il fallait trouver un formateur. On ne sait pas ce qui se passait. Kabuya a été reconduit comme formateur. Après ça, rapport Nae, je crois que c'est à partir de là que Félix Anomaka, premier ministre. Est-ce que c'est Kabuya qui devrait former le gouvernement? Il y a des coachs. Parce que quand je vois que les gens se sont précipités vers Kabuya, autour de Kabuya, pour demander, pour faire leurs réclamations, c'est-à-dire que Moussala Kabuya n'est pas là qui est là pour former le gouvernement. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Bah, qu'on nomme un premier ministre suivant quel programme. Donc, il oppose à quoi accompagner Mutumo Koboy. Voilà un gouvernement qui n'est pas responsable. Voilà un gouvernement qui n'est pas responsable. Dans la pratique des choses, ce gouvernement-là n'est pas responsable. Zaka biso, biso batia ki biso ao. Tourna biso akolia yangoyo. Le gouvernement n'est pas responsable. Mais ce qui est là, qui que non, maintenant, Yonde osa premier ministre, madame. Quelle est la vision maintenant, Yayop? Parce que c'est selon maintenant la constitution. J'en avais parlé dans la dernière émission. Bandekoto landakana no ata constitution. Ata mibe kwa mboka. Ce qui détruit notre pays, c'est l'aléatoire. Donc, to la mouki lelo, to komi kosala makamunenge oyo, mite manabiso ezotindabiso. Cette dame-là, elle vient faire quoi? Quel sera son travail? Selon la Constitution, c'est elle qui va défendre un programme devant le Parlement. Ce n'est pas Kabuya. Et donc, ce n'est pas Kabuya qui devrait former ce gouvernement-là. C'est la dame, la première ministre, c'était ses prérogatives. Et donc, même c'est pas Kabuya aussi, en faisant ce qu'il est en train de faire là-bas, qui pouvait produire un programme ou quoi que ce soit. C'est l'Union Sacrée, c'est cette majorité-là qui devait se mettre ensemble. Balobi, bon, qu'est-ce que nous allons faire pour les prochaines années? Programme Nabiso Ezanini. Qu'est-ce que nous allons faire? Et qui va faire quoi? Et comment il va le faire? C'est ainsi qu'on pouvait déceler maintenant, avec le principe de la Constitution, en disant, bon, ok, nous devons tenir compte, il y a géopolitique, batunini, bakosala na gouvernement, na objectif, na ngweza nini. Qu'est-ce que nous allons présenter au Parlement? Parce que jusqu'aujourd'hui, na ebite tant moussousou maman na zo sala moussala, je ne sais pas, elle est en train de travailler pour faire un programme qu'il devrait présenter devant le Parlement, afin que le Parlement adopte. Même si ils sont à 470, on sait que on va le faire encore comme ce que Sama Lukonde a tiroir à programme à Kala. Allez, on fait quelque chose, on veut présenter au Parlement et on dit que Bisotoza Bawarior. Je ne sais pas, parce qu'on va le prendre des cours. Moi, je crois que Biloko Ezo Salemanambangu, de façon que elles ne sont pas responsables. Où est la responsabilité de madame, la première ministre, sur le ministre?
C'est comme ça que vous allez voir. Les gens sont en train d'évoquer. Est-ce que le ministre a qu'à tenir tête dans le cacique? Est-ce qu'elle sera vraiment... Elle pourra commander Moutounetti Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'elle va, elle va tenir compte avec tous ces grands bouanas qui se sentent comme si Mboka Oeza ya Bango? Maman, on a qu'à tenir poids. Même si on peut la vanter que nous avons déjà ministre, mais dans la réalité que nous vivons tous les jours, à tenir tête, et où tu wapi, et où tu na façon que. Les gouvernements, on nous parle que non, avant le gouvernement, il y a des gens qui sont en train de bloquer le gouvernement. Bandeko, Ngana Banzike, Moussala ministre, moi je crois que. Même s'il y a une de certaines désignations, il doit y avoir quand même des critères que nous avons. Attends-moi, Eloko, Moukwa Koloba, ministre A, Kozala Boye, A, B, C, D, D, D. Ministre Oyo, ba joueur Nangaï, Nazana gaucher, Nazana besoin à gaucher, na côté à elle gauche, Nazana besoin à mettre à droite. Il faut aller à dribbler, il faut aller à boye. Comme ça, Moutou, Oyo, Nangaï, Nazana. Vision d'ensemble, Ngaï ministre, premier ministre, Nazana vision d'ensemble là où je vais amener le peuple, là où le programme Nangana Kosala. On a nommé un ministre à jeunesse. Je ne pense pas, et je peux donner ma main à couper, que cette dame-là sait quel est le travail d'un ministre de la jeunesse. Je ne suis pas sûr qu'elle connaît. Naïebité. Je ne suis pas sûr. Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr que Moutoua Naïebi Moussala est ministre à jeunesse. Regardez, je peux vous donner l'exemple. Lorsqu'on nomma Didier Boudimbou na hydrocarbures, il ne connaissait absolument rien des hydrocarbures. Lui-même a dit, ça ne vient pas de moi. Il devrait être formé pendant 2 mois. Quel temps à perdre à nommer des gens qui ne connaissent pas le travail qu'ils vont faire. Voilà l'amateurisme dans lequel nous sommes et que nous on va continuer à se plaindre que non makambozo kende malamute parce qu'effectivement bozo tiaba to baza baebi makambo bazo salate. On est en train de partager le gâteau. Faute yeza ya nani bande konangai? À qui la faute maintenant? Et à qui est-ce que nous allons nous en tenir? Tokoko mawa piawa.
C'est comme ça que les gens se posent la question. Réfléchissons maintenant. Ce qui gouvernement autoza koloba, muto asala ki logo mogote. Oh non, yo batia ki kabulo zala ki wana osala ki nini. On a nommé Kabulo là-bas, Kabulo dans le ministère des Sports à Salakinine. D'abord, hein, c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Ayeba quitté Makamuni Nangwa Keko Salakuna. Il y a Kanisa qui a nommé Kuna pour organiser Kababa tournoi. Et c'est pour cela, vous allez voir. Lorsqu'on l'a nommé, il a inventé un truc là, ce qui fatigue. Babilo Kwana, en pensant que c'est ça qui va promouvoir notre sport. Ce n'est pas ça parce qu'il ne connaît pas. Azaki n'est journaliste, commentateur, yaba match. Il n'était qu'un journaliste. Il n'a jamais peut-être dirigé une administration d'un ministère. Ça demande quand même de la crème. Qu'est-ce qu'on va retenir du passage de Kabulo dans le ministère Wana? Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il ne savait pas ce qu'il devrait faire. Moi, je vous dis. Ayeba kite makambo ou ake kosala na ministère asporte. Akanisa ikaka ke, ako kende kuna, il faut qualifier le léopard, il faut faire ceci, il faut jouer la coupe du... Non, ça c'est du cosmétique. Nous devons aller au-delà. Le ministre, c'est quelqu'un qui voit tout dans l'ensemble. Le ministre, c'est une personnalité, c'est une crème qui a des solutions. Moi, je pense que Maman Wana Soki Babnomé, Premier ministre, elle devait avoir le monopole d'interroger les gens qu'il va mettre à ce place-là dans le ministère. Par exemple, faire un interview. Bah, tu vas interviewer, bah, lobby, bon, Sikoyo, quel est le mot que tu penses que et dans la jeunesse. Qu'est-ce que tu vas faire dans le ministère de la jeunesse? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses que Ndengeni Nezo Kende Biente? Comme ça, on se connaît. À ce moment-là, nous pouvons te contrôler parce que tu es venu. Nous t'avons dit que voici ce que vous devrez faire. C'est ce que moi, je pensais faire. À ce moment-là, la première ministre va élaborer le programme. Il va dire, par exemple, « T'as la jeunesse, Nabiso Awa, et à niveau tel, voilà là où ça ne va pas. Est-ce que c'est un problème de fonctionnement? Est-ce que c'est un problème de quoi ?» Mais même chose avec le ministre de la Défense. La première ministre doit se causer avec elle, avec le ministre, en disant « Yo, ministre de la Défense, qu'est-ce que nous allons te nommer? Mais qu'est-ce que tu penses que tu vas redresser, la ministre de la Défense? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que nous allons terminer la guerre à l'Est? » Ces histoires-là doivent être connues. Il faut y ébana. Ah, non, c'est comme ça que moi je me dis... Nous avions raté pratiquement, encore une fois de plus, Makambo Akoyeba, Premier ministre Oyo. Makambo Nini Aza Azoya Kosa, absolument rien. Bah nommé, oui, comme Premier ministre, mais comme programme, est-ce qu'elle lançait du globalité? Quel est le projet qui va cristalliser, par exemple, bon, le président de la République peut lui dire, bon, voici, nous devons terminer le pays. Mais nous avons aussi à la tête de notre pays, quelqu'un, excusez-moi le terme, qui ne sait pas là où il est en train de mener le pays. Parce que si c'était lui, le chef d'orchestre, il devrait savoir dire que non. Awa, beta likembe, olio beta guitare, ou bien olio beta piano, beta guitare, awa, plaso, il faut que beta boe, 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 boe. Comme ça, a recruté Moutou, a zana aspiration, a koye banine, a wako sala. Mais quand vous recrutez les gens comme ça, gouvernement ezakakaba tutozo lokota kakaboe na ebite si quel est le critère que nous faisons pour recruter batuna kati ya ministère et yebanite la discrétion du chef de l'État. C'est la discrétion du chef de l'État. Et connaissant le chef de l'État, connaissant comment le chef de l'État est en train de tâtonner, nous avons peur que nous ne sommes pas en train de partir quelque part. C'est ça le réel problème que moi je vous présente ici. Problème est angoyangoana parce que Toego Kolo Balelo. Oh non, bon, ok, Moutamba Kosala ni na ministère de la Justice. Moi, le garçon, il a dit ce qu'il pouvait faire. Il est parti dans les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a eu personne qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'y a eu personne. On a le désigné tout simplement comme ça.
Est-ce qu'on a consulté? Est-ce qu'on a interviewé? Est-ce qu'on lui a dit, voici, notre justice est malade? Est-ce que vous connaissez la maladie que souffre notre justice? Quelle est l'expertise que vous pouvez amener? Comme ça, nous connaissons le monsieur. Comme ça, tu as dit que monsieur Oyo a yébi et l'okoyo a zakosala. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Bato bazan agriculture. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'agriculture. On va le bombarder de ministère à sa ministre agriculture. Et c'est pour cela que les Congolais, aux hommes en conception, aux hommes, les gens ne savent pas. Oh non, Kunambongo est à la kate. Le ministère des Transports, comme on est en train de diaboliser Bemba en disant il a quitté le grand ministère de la Défense, il est redescendu à un petit ministère. Il n'y a pas de petit ministère. Il n'y a pas de petit ministère. Comment est-ce que vous pouvez commencer à downgrade? Oh non, ça c'est le ministère de la Défense qui a beaucoup d'argent. Regardez, ozoyo kamakambu ba Congolais bazoloba. Ba Congolais balobi que non ministère de la Défense za na mbongo belé. Pourquoi mbongo ne sala kanini? Quelles sont les réalisations de ces ministères et armées? Awa to mona kana armée awa ekoti sakambongo ici en Afrique du Sud. L'armée, lorsqu'il y a budgétisation, bah moni saka armée kotisa ki combien? Est-ce que c'est pareil chez nous en République démocratique du Congo? Non. L'armée, c'est la défense, c'est un ministère budgétivore chez nous. On en parle de ça. C'est ça là, le langage. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous sommes dans une aberration totale. Nous sommes pratiquement à côté. Et donc, lorsque nous pensons que Bemba, à la ministère de la Défense, on va là-bas, oh moni, yende azala qui rebelle, akosala boy, ça nous a désillusionnés. Prenez l'exemple de Kamere. Kamere est nommé, c'est pas économie là-bas, il vient, il dit, bon, comme je suis là, moi je vais, vous allez voir, le dollar va, kokita, tout ça, moi. Ngaye, zuye. Rien n'a été fait. Et là, comment est-ce que ça limitait? Parce que, justement, on n'a pas touché au fond. Il est venu comme ça. Il pensait que c'est sa personne. Lui, étant Congolais, sa personne, comme c'est lui, Kamere, dollar et Kobanga, pour quitter Mata. Et Kobanga, Kamere, pour Mata. Parce que c'est Kamere qui va faire descendre les dollars. Nous sommes dans une cosmétique impossible, nous, les Congolais. Yangwana bande Konga, Naza Koebi Sabino, ok. Il faut que nous puissions réfléchir. Et la réflexion va consister à aller vraiment au fond du problème, trouver le fond du problème et réfléchir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions. Mais lorsque nous nous fions au cosmétique, en pensant que basoda na biso kaka so to latisi bango, to futi bango mbongo ebele, to pesi bango mimando ki ndegere kosila na est. Là, nous sommes en train de nous tromper. Ce n'est pas question d'homme, c'est une question d'organisation, c'est une question de méthodologie. Quels sont les plans que nous mettons en place pour que nous terminions la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Quelle est la politique que nous allons adopter? Et comment y parvenir? Comment est-ce que nous allons agencer? Et le matériel, donc le support technique, la technique de la guerre, comment est-ce que nous allons gérer même nos militaires? Toutes ces histoires-là doivent être coordonnées par quelqu'un qui s'y connaît. Mais on a vanté ici que No Bemba était un militaire. Bemba, Zalaki Moto, Azalaki Kuna, est-ce que guerre Sili? Niet, rien. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas réfléchi. Et même jusqu'aujourd'hui, on ne continue pas à réfléchir, mes chers amis. Nous continuons toujours à faire la même chose, croyant que changement est causal. Changement est causal à Bongoté. Le changement ne viendra pas dans la monotonie d'une chose qui n'a pas réussi. Peut-être si nous faisions des choses qui ont eu du succès, peut-être là nous pourrions penser que non, changement est causal. Mais rien. Nous avons échoué depuis 1960 en pensant que non. Mutonga soki na tangi mingi na za docteur soki neni so ba tchenga ka na ministère tangu ba problème koyoka ka ke non germain docteur en droit ndaye nde makambo ko changer té. Non, nous sommes en train de nous tromper. Tozomi ko sabiso moko ba congolais bande konangai.
Et c'est comme ça que nous nous disons, il faudrait rentrer dans le training room, comme on dit, na board, to vanda, gouvernement et longa, makambo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce sont les hommes qui sont choisis au hasard comme ça, suivant n'importe comment, qui vont résoudre le problème de la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'on est en train de se tromper. Nous sommes en train de nous tromper. Ça, c'est du l'air. Et ça va cosmétique autour de ça, là. Et là, je veux conclure cette émission en disant que je crois que, et je vais répondre maintenant aux questions des gens qui m'ont posé qu'est-ce que je pense de ce gouvernement. J'avais déjà dit, il n'y aura absolument rien tant que le système global ne tombe, qui est exactement là, ne tombe et ne change. Nous devons aller dans le fond du problème pour rectifier le tir. Et rectifier ça, le fond du problème, c'est-à-dire quoi? Moi, je me dis, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous devons faire parler d'abord. Nous devons avoir un consensus. Le consensus devrait être obtenu pour que nous puissions travailler d'une autre manière qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons nous mettre d'accord. Nous devons faire un rassemblement. Nous devons nous mettre d'accord. C'est ça qui manque à la République démocratique du Congo. Tant que Tozo continue avec le modèle Oyo, Tokozalaka Kawana, nous ne construirons jamais de bonnes routes. Nous ne construirons jamais des autoroutes. Nous ne construirons jamais cette confiance-là. Nakatia ba peuple congolais que mboka na biso ezana ezana esor moko ya likolo. Nous ne le ferons pas tant que tozana nous na makambo tozo sala. Alors, il faut faire autrement. Et comment faire autrement? C'est ce que j'expliquerai encore dans la prochaine émission. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification, parce que émission ezana suite. Nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que nous pouvons organiser le pays pour que l'insécurité n'a pas guerre à l'Est et si là? Et quel est le gouvernement? Comment est-ce que nous pouvons obtenir un gouvernement? Wanez la question qu'on a répondre na vidéo Moussousou et Kolanda na semaine. Donc vraiment, on va s'arrêter là-bas en espérant que vous n'allez pas nous laisser nous les tasses down. Vous allez continuer à nous supporter comme vous êtes en train de nous supporter. Continuez à nous appeler. Ça me plaît lorsque je parle avec quelqu'un qui est à Bounia, quelqu'un qui est à Kalemi. Ça me fait du bien, mes chers amis. C'est par là que je constate que je ne prêche pas dans le désert et que vous êtes toujours là. Merci beaucoup donc pour aujourd'hui. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.